conseils efficaces pour savoir comment réduire la taille de la poitrine. Voici un meilleur conseil recommandé pour savoir comment réduire naturellement la taille de la poitrine, que vous pouvez envisager d'appliquer, afin de réduire votre taille de poitrine de manière efficace et sans aucun effet secondaire. 1. Massage. Le massage est une méthode ancestrale pour réduire naturellement la taille des seins et pour éliminer la graisse corporelle. 1. Utilisez de la noix de coco tiède ou de l'huile d'olive sur vos deux seins. 2. Massez chacun des seins, dans le cercle et vers le haut, en utilisant votre anneau et votre majeur, 10 minutes. 3. Répétez ce traitement deux fois par jour pendant au moins 3 mois pour voir le résultat. 4. Une autre option consiste à utiliser une lotion de réduction mammaire ou une crème pour masser votre poitrine. 2. Graines de lin. Les graines de lin peuvent réduire le niveau d'œstrogène dans le corps, ce qui est l'une des causes du surdimensionnement du sein, car il contient des acides gras oméga-3. De plus, les toxines nocives seront éliminées du corps grâce aux graines de lin. 1. Mélangez les graines de lin moulues, 1 cuillère à soupe, avec une tasse d'eau chaude. Buvez cela une fois par jour. 2. Vous pouvez également boire de l'huile de graines de lin tous les jours, 1 à 2 cuillerées à soupe. Remarque, pratiquez cette astuce jusqu'à ce que le résultat soit clairement visible. 4. Huile de poisson. Outre les graines de lin, vous pouvez utiliser l'huile de poisson pour réduire naturellement la taille de la poitrine, car elle est riche en acides gras oméga-3. Grâce à ces acides gras, nous pouvons réduire les taux d'œstrogène, qui sont l'une des causes de l'hypertrophie mammaire. Un autre avantage est l'huile de poisson, peut nous aider à réduire le poids corporel. Manger du poisson d'eau froide, riche en acides gras oméga-3, tels que le saumon, le thon et le maquereau. Vous pouvez également manger du soja, des noix, des graines de lin, de l'huile de lin. Ce sont de bonnes sources d'acides gras oméga-3. Remarque, l'huile de poisson combinée à des exercices d'aérobic ou à des exercices cardiovasculaires est plus efficace pour réduire la graisse corporelle totale. 5. Alimentation saine. Nous savons tous qu'un régime alimentaire sain et équilibré vous aidera à réduire votre masse grasse dans votre corps. En outre, cela vous aidera même à réduire naturellement la taille de la poitrine. 1. Mangez plus de fruits de mer, comme du poisson à base de protéines, car les poissons sont peu caloriques, ce qui est une bonne méthode pour réduire les matières grasses. Éloignez-vous des aliments frits, gras et transformés. 2. Mangez plus de fruits de mer, comme du poisson à base de protéines car le poisson est pauvre en calories, ce qui est une bonne méthode pour réduire les matières grasses. Éloignez-vous des aliments frits, gras et transformés. 3. Mangez plus de noix et de légumes verts, brocolis, épinards, choux frisés, etc. Les noix sont d'excellentes sources d'énergie et peuvent vous aider à perdre du poids. 4. Mangez des fruits frais et biologiques. Ils peuvent vous aider à rester en bonne santé et à perdre du poids car ils contiennent des antioxydants et une grande quantité d'eau. 5. Réduisez la quantité de sel, de sucre et de graisse malsaine qui pénètrent dans votre corps. 6. Buvez de l'eau ou des jus de légumes et des fruits frais. 7. Évitez les édulcorants artificiels présentés dans les boissons non alcoolisées et les jus. Remarque, ne pas crash régime. Cela affectera gravement votre santé. 6. Cardio et force, exercice d'entraînement. Certains exercices appropriés vous aideront à réduire les graisses de votre corps, y compris vos seins. Vous devriez choisir des exercices de musculation et cardiovasculaire, qui peuvent cibler la graisse dans la partie supérieure du corps, en particulier la poitrine. Étant donné que la plupart des femmes qui ont des seins surdimensionnés ne seront pas en mesure de faire des exercices à impact élevé, comme le jogging ou la course à pied, vous devriez vous concentrer sur les entraînements cardio à faible impact. Faites ces exercices pendant 45 minutes avec du matériel, comme un tapis roulant, un vélo d'appartement ou un vélo elliptique. Vous devez répéter les exercices au moins 5 jours par semaine. Vous pouvez également pratiquer des exercices de musculation spécifiques pour renforcer les muscles de la poitrine, ce qui peut réduire la taille de la poitrine. Par exemple,
Des exercices comme le push-up classique ou le développé couché avec haltère sont recommandés. Répétez ces exercices en 2 ou 3 séries, 8 à 12 répétitions chacune, quelques fois par semaine pour voir les résultats. Remarque, n'oubliez pas de porter un soutien-gorge de sport bien ajusté lorsque vous faites de l'exercice. 7. Exercice aérobique. Une autre façon d'augmenter votre taux de métabolisme consiste à faire des exercices d'aérobique. En conséquence, vous pourrez perdre de la graisse. Et une fois que vous commencez à réduire les graisses, la taille de votre poitrine diminuera automatiquement. N'escalier, grimpez tous les jours. La marche rapide est un autre excellent exercice aérobique pour réduire les graisses. Vous pouvez également faire du vélo pour brûler les graisses, sur tout votre corps. Remarque, assurez-vous de faire ces exercices pendant 30 minutes, 4 ou 5 fois par semaine. 8. Thé vert. Le thé vert est un autre moyen efficace de réduire la taille de la poitrine de façon naturelle et de perdre du poids. Le thé vert contient des catéchines, qui peuvent favoriser la perte de poids. Il peut stimuler le corps à brûler plus de calories et à éliminer la graisse corporelle. En outre, il peut réduire la taille des seins et réduire le risque de cancer du sein. 1. Mélangez les feuilles de thé vert, incées, à thé, avec un verre d'eau. 2. Couvrir puis raide pendant quelques minutes. 3. Filtrez-le et ajoutez un peu de miel. 4. Buvez ce thé tous les jours pendant au moins quelques mois, 3 à 4 tasses par jour. Merci d'avoir regardé notre vidéo. S'il vous plaît, aimez et vous abonnez.